Vous recherchez un intercom moto ou un interphone moto afin de pouvoir communiquer avec la personne qui se trouve avec vous sur la moto ou aussi avec d'autres motards via la technologie Bluetooth, mais vous ne savez pas quel produit choisir, quel modèle choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs intercoms à moto qu'on peut retrouver sur le marché, afin de vous faire gagner du temps pour votre choix. Donc on va voir les modèles vraiment les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça vous aidera pour ce choix. Et bien sûr, si vous souhaitez commander un de ces produits ou aller voir plus d'infos, il y aura tous les liens juste en dessous en description de la vidéo par ordre d'apparition des produits. Et on commence avec le premier qui sera le Cardo, donc intercom, freecom, moto, motocyclette pour deux voix par Bluetooth. On aura des bonnes évaluations, même très bonnes, de 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 2680 évaluations. Donc vraiment excellent à ce niveau. C'est un système d'intercom de motard à motard qui va prendre en charge jusqu'à 4 pilotes dans un environnement de conférence qui sera d'une distance maximale de 1,2 km. Donc on aura une capacité de couplage universelle pour des connexions d'intercom de marques différentes. On aura un son de vraiment bonne qualité avec une clarté audio supérieure qui a vraiment été optimisée pour utilisation dans un casque, hein, c'est fait pour ça. Ça peut aussi servir pour la diffusion de musique, les appels téléphoniques, la navigation, les GPS, etc. Vous pourrez utiliser les commandes vocales, hein, avec les OK Google, Hey Siri, etc. Avec plein de commandes embarquées également pour contrôler plein de choses. On aura une adaptation universelle, donc c'est compatible avec toutes les marques et tous les modèles de casques. Pour une utilisation avec un demi-casque, on aura le kit demi-casque qui sera donc nécessaire. Et du coup, l'application, vous pourrez l'utiliser pour tout connecter facilement. Ça fonctionnera sur batterie avec une bonne batterie de 600 mAh. Donc c'est vraiment un modèle qui n'est pas donné en termes de prix, mais qui est vraiment qualitatif et qui vous permettra d'avoir une bonne qualité sur la longévité. Et du coup, dans tout le kit, vous aurez évidemment l'intercom avec des haut-parleurs, mais également un microphone filaire, un câble USB, des systèmes de transfert de haut-parleurs, donc des amplificateurs avec des velcro. Donc vous aurez vraiment tout en fait pour vous enregistrer, pour dégager du son. Enfin, ce sera vraiment un kit complet. Donc pour avoir plus d'informations sur celui-ci, ce sera donc le premier lien dans la description sous cette vidéo. Un deuxième modèle que je vous présente qui est très intéressant également, c'est le Lexin Intercom B4FM, donc Moto Duo, pour deux casques. Et là, c'est un kit vraiment x2. Donc vous aurez réellement deux transmetteurs Bluetooth, ce qui pourra être très pratique si régulièrement vous prenez la moto avec quelqu'un derrière vous. Avec 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 3199 évaluations, avec un prix qui sera lui aussi un petit peu élevé, mais c'est déjà un petit peu moins cher cette fois-ci. Vous aurez donc aussi la possibilité de prendre le modèle simple, hein, si vous n'avez pas besoin de deux, et dans ce cas-là, ce sera beaucoup moins cher. On aura la connexion via Bluetooth, donc qui sera 5.0, qui sera vraiment très très efficace. Vous pourrez avoir une intercom jusqu'à 8 personnes, donc 8 motards en même temps, avec une portée de 1600 mètres, ce qui est quand même plutôt intéressant. Un partage de la musique avec un son de haute qualité qui sera présent également, une longue durée de vie, une bonne batterie qui pourra fournir de la musique ou vous enregistrer, faire des appels téléphoniques, etc. pendant 10 à 15 heures. Avec 350 heures de veille, donc c'est vraiment pas mal, sachant que ça se charge en seulement 3 heures environ. Vous aurez deux types de supports de montage de microphone pour l'installer, mais ce sera évidemment compatible avec la majorité des casques de moto, hein, casque complet, semi-casque, etc. Donc c'est un choix qui peut être très intéressant également. Si vous voulez voir plus de détails dessus, ce sera le deuxième lien en description. Et on va terminer avec un dernier qui sera le Freedcon, donc moto, Bluetooth, interphone, avec des évaluations qui resteront bonnes de 4,3 étoiles sur 5 sur plus de 1100 évaluations. Le prix sera le plus bas de cette sélection. Donc c'est aussi logique puisque cette fois-ci on en a un seul et non pas deux. Mais du coup, même en partant du principe qu'il n'y en a qu'un, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment pas super cher. Ce sera pareil avec Bluetooth 5.0. Vous aurez donc une communication avec 2-3 personnes possibles.
Donc c'est moins que pour les autres, mais bon, ça peut pourquoi pas suffire hein, si c'est que pour vous et votre femme par exemple, ou peu importe, avec une distance de 800 mètres. Ce sera multifonction, vous aurez aussi bah, la possibilité d'utiliser un GPS, la radio également, c'est des haut-parleurs Hi-Fi aussi qui vont vous permettre de profiter d'une voix qui sera de bonne qualité, d'une musique également. Et du coup, ça permettra d'avoir une belle batterie, ce genre de choses. Donc pour moi, ce modèle est quand même un petit peu en dessous, on le voit par les évaluations. Donc c'est à prendre si vraiment, on va dire, vous avez un budget serré et que ça peut suffire. Mais sinon, le premier ou le deuxième, pour moi, sont des matériaux de meilleure qualité. On le voit par les évaluations, hein, clairement, qui le prouvent hein, sur des milliers de personnes. Donc après, c'est vraiment à vous de décider. En tout cas, il y a tous les liens juste en dessous en description de la vidéo. Donc si vous souhaitez commander un de ces modèles ou voir plus de détails, cliquez sur les liens. Ça vous permettra de voir les prix exactement, de constater vous-même les évaluations clients, de voir plus d'images, de détails pour vraiment finaliser votre choix à ce niveau. J'espère que cette vidéo aura pu vous y aider. Moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.